6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h03 qu'on amène le code, s'il vous plaît. Nous, il y aura plus de 40 minutes de hit à la suite. Il y aura Will Sparks, il y aura Ron Chupa, mais on n'est pas encore parti parce que juste après les infos, j'ai deux infos un peu sexe. Ah. Ouh là 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 là. On va parler de 50 nuances degrés, le film. Après le livre, c'est le film. Et il y a des mecs en Angleterre qui ont sorti une musique pour aider à faire du sexe. Cool. Oui, absolument. Ce sera juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, on retrouve le soleil, plein soleil même sur Avignon ce matin. Quelques nuages du côté d'Orange peuvent encore donner quelques gouttes. Les températures vont rester stables vers 8-10 degrés ce matin. Il fait 4 actuellement à Avignon, Carpentras et Saint-Rémy-de-Provence. 3 degrés dans l'intérieur du 84 à Monteux. 3 également pour Saint-Didier ou encore Lille-sur-Sorgue. Du sport pour recommencer ce matin avec la 22e journée de Ligue 2 Arles-Avignon. Lanterne rouge du championnat se déplace sur le terrain de Sochaux-Montbéliard ce vendredi. Les voisins nîmois accueillent Nancy-Lorraine. En volleyball, on joue la 18e journée de Ligue B également ce soir. L'Avignon volleyball, avant-dernière équipe du championnat, se déplace à Plessis-Robinson. Orange ne jouera que demain en recevant Nice. Encore un petit effort, les Bleus ont rendez-vous avec l'Espagne ce soir en demi-finale du mondial de hand. Les Espagnols tenants du titre est toujours dur à battre. Dans l'autre partie du tableau, le Qatar affronte la Pologne. Finale programmée dimanche. On parle également de votre orientation ce matin, en plus du campus Agroparc demain à la salle polyvalente de Montfavet. Les écoles de la Chambre de commerce et d'industrie vont également vous ouvrir leurs portes ce samedi. Les deux campus de la CCI forment 1500 élèves et apprentis au métier de l'hôtellerie-restauration, de la santé et des soins de la personne, du commerce, du management et de la comptabilité. Plus d'infos sur le www.vaucluse.cci.fr. Dans le doute, on s'abstient. Le Parlement a voté une nouvelle loi sur les ondes électromagnétiques hier. Le texte s'attaque notamment au Wi-Fi, désormais interdit dans les crèches et limité à l'intérieur des écoles. À l'avenir, il faudra aussi plus d'informations lors de l'installation d'antennes relais. Une avignonnaise dans l'aventure The Voice. Pour la 4e année, on découvre de nouveaux talents. Et Néouda, 22 ans, a séduit Zazie samedi dernier puisqu'elle s'est retournée. L'aventure apporte beaucoup à la jeune femme de Barbantane. Participer à The Voice, ben c'est déjà enfin assumer le fait que je chante, parce qu'il y a plein d'amis qui vont être surpris alors que j'ai toujours chanté. Et ouais, me prendre au sérieux, avoir confiance en moi, puis me lancer un peu dans la musique. J'ai dû commencer, je sais pas, à 5 ans que j'ai commencé à chanter, genre. Après, j'ai pas assumé, en fait, j'ai assumé très tard. J'étais discret, je le gardais pour moi. J'avais pas envie qu'on dise, genre, s'il y a 10 ans, tu dis, je vais être chanteuse plus tard, ils vont dire, oh, c'est mignon, allez, tu rêves, ma chérie. Donc du coup, je préférais le garder pour moi jusqu'au jour où voilà, et j'ai toujours chanté. Et l'aventure The Voice continue demain soir sur TF1. Voilà pour vos infos. Dernier flash que je vous présentais sur Énergie Avignon. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt. Soyez les bienvenus dans ce vendredi, c'est Manu dans le 6-9 avec vous comme chaque matin. Mélanie est à mes côtés. Je suis là. Oriane est là aussi. Coucou. Toute l'équipe est là, il y a Mourad à la réalisation. Salut. Nico qui s'occupe du web. Ouais. Avant de partir, deux infos un petit peu olé olé. Ah, allez. D'abord, 50 nuances degrés. Tout le monde connaît 50 nuances degrés. Ouais. Toutes les filles ont lu le livre. Mmh. Tu l'as lu toi Mélanie? Tu peux dire non. Hein, non, je vais dire la vérité. J'ai lu 40 pages et ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Ah ouais, au bout de 40 pages. Ouais, je trouvais ça très redondant en fait. Tout le temps la même chose? Ouais. Ah ouais. Bah bon, bah voilà. Oriane? Non, mais des copines me l'ont résumé, donc je pense connaître un petit peu le concept. Parce que c'est marrant, moi je connais des nanas qui l'ont lu, mais qui l'ont bouffé le livre. Ah quoi. Oui, moi aussi, toutes mes copines, hein, globalement. Les trois, elles ont lu. Hein, donc, mais comme des folles, ouais. Quoi. Oriane? Non, mais en fait, ça me semblait tellement gros que j'avais la flemme de commencer, mais je veux le lire avant de voir le film, là. C'est, mais vraiment, il paraît, c'est le... Que les filles, ça les mettait dans des états de ouf, quoi. Oui, bah c'est un petit peu... Mais ça dépend ce que tu fais de ta vie aussi. Hein. Non mais c'est vrai, non mais je pense que... C'est que là, vu le nombre de nanas qui ont quand même lu 50 nuances degrés, Mélanie, je pense que là tu t'engages dans mais ce non. chemin. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est vrai, ça dépend de tes fantasmes, ça dépend de plein de choses. Ah, tu veux dire que toi t'es un petit peu calme. Ou pas assez, mais enfin l'un ou l'autre dans tous les cas, et que ça collait pas pour moi. Bon en tout cas, le livre 50 nuances degrés a cartonné, enfin les je sais pas, il y en a eu trois. Hein. Oui, ouais. Ouais, ça a cartonné. Le film a été tourné. Il sort dans deux semaines au cinéma. Et c'est Sia
qui va faire la musique du film. Ça, c'est canon. La chanson est sortie, elle a été dévoilée hier, ça s'appelle Salted Wound. Wound, oui. ça s'appelle. Tiens, on va vous la mettre sur Malu dans 69.com. Et écoutez, c'est ça. Ça sent le sexe, hein. Ouais. Là, c'est pas un générique d'émission de cuisine, quoi. Non. Moralisation. Ça sent le sexe, mais pas le sexe romantique, hein. Ça sent le sexe malsain. Bah et, ouais, t'as fait un jogging, quoi. T'es un peu en sueur. J'aime bien, c'est planant, c'est... Ouais. C'est chaud, hein. Il y a du mystère. Ouais, c'est ça. Tu vas voir ton mystère. Excusez-moi, c'est l'effet 51 degrés. J'arrive pas à me contrôler. Oriane. Ça sent le sexe à l'arrière d'un salon de massage. Oh, regarde la petite mandoline là. Ouais, si ça masse là. Ça veut dire quoi? Ça sent le sexe à l'arrière d'un salon de massage. Il y a du massage, des bougies, c'est un peu clandestin, c'est sexy quoi. Voilà. Tu veux dire que c'est pas très très autorisé? J'ai l'impression que c'est un petit peu légèrement interdit tout ce business. C'est du sexe un petit peu pas tellement dans la loi. C'est du sexe un petit peu secret. C'est Sia. Oui. 50 nuances degrés, le film sort dans 2 semaines au cinéma. J'irai le voir. Ah bah oui, quand même, ouais. J'irai le voir, mais pas tellement pour le film, c'est pour voir comment les femmes vont sortir du film après. Ah ouais, émoustillées. Parce que, vu que je les ai vues comment elles étaient en sortant du livre, ça peut être un chouette truc. Avant de partir, je voulais aussi vous parler d'un autre truc de sexe. Je suis désolé, bah on regroupe tout, hein. C'est en Angleterre, il y a une chaîne de magasins qui a sorti, en fait, une musique gratuite de 23 minutes. Et en fait, ils disent que si vous faites l'amour sur cette musique en gardant le rythme de la musique, eh ben en fait, vous brûlerez autant de calories que si vous faisiez un petit jogging. D'accord, pas de notion de plaisir, alors juste les calories, quoi. C'est uniquement pour faire du sport en même temps que vous faites l'amour. Voilà la musique. C'est pour vous. C'est ça. Va choper une érection là-dessus. Ouais, c'est rien. Allez, tu sais quoi? Alors, ça y est, parti là. Hein? Ouais, ouais. Jump! Jump! Oriane? J'ai rarement entendu quelque chose d'aussi débile. Et alors après, ça s'accélère. Alors c'est marrant, je vous dis un truc, c'est que moi si je le fais sur la musique, tout de suite je vais. Allez. Bon allez, la musique on vous la met aussi sur Manu dans le 69.com. 9h11, on s'en va, on sera de retour dès lundi, évidemment, passez un bon week-end. Et je vous rappelle que dès lundi, on sera pendant une semaine en direct de Tignes. Ouais. Il n'y a pas que nous, il y a aussi l'équipe de Coué le soir. C'est pour fêter en fait nos records historiques d'audience sur Énergie. Vous n'aviez jamais été aussi nombreux à écouter Énergie le matin et le soir avec Coué. Alors on a décidé de partir tous ensemble au ski et avec vous, évidemment, vous êtes je crois plus de 25 à venir avec nous. On vous a offert pendant toute la semaine, pendant toutes les dernières semaines, la possibilité de venir avec nous, tout frais payé évidemment. Vous pourrez assister à l'émission, on sera à la maison de Tignes si vous voulez venir tous les matins entre 6h et 9h si vous êtes dans le coin. On sera là-bas à la maison de Tignes, ce sera en public. Passez un bon week-end, on va prendre le train. Je sens que la merde va commencer dès le train de toute manière. Avec Oriane qui a 8 valises, évidemment, elle va nous demander de les porter, c'est pas bordel. Bah voilà. Logique, oui. Ah là là. Plus de 40 minutes de hit à la suite. Ça va arriver tout de suite sur Énergie. Aaron Chupa ou Will Sparks. Passez un bon week-end. On revient dès lundi. Manu dans le 69.com, c'est notre site internet. Il y a aussi les podcasts vidéo de la semaine, vous pouvez aller les voir. Facebook.com/Manu dans le 69. Passez un bon week-end. À lundi. Ah Manu dans 6-9, tous les matins, 6h-9h. Sur Énergie.